ils pourront déjà fêter avec leurs 100$ chacun. C'est pas 100$ pour tout le monde, hein? Non, non, c'est ça, 100$ chaque participant. Voilà les First Ladies et les Présidents, aujourd'hui nous allons vous présenter Énergie qui nous vient de Londres. Elle est pleine d'énergie, je vous assure. Découvrez Énergie. J'espère qu'il n'y aura pas la queue, hein, parce que les gens qui rentrent en bouillie là, en fait c'est pas la poste officielle, hein, c'est la poste quand tu rentres en bouillie, tu es obligé d'aller couper là-bas, donc vous voyez, on a la chance parce que il y a pas de queue. Avant de revenir sur Énergie qui nous vient de l'Angleterre, j'aimerais partager avec vous ce genre de message que moi j'adore recevoir. Voilà ce que j'attends de vous en fait. Alors le message est dit, vous pouvez le lire ici pendant que ça passe. Je confirme que c'est la meilleure. Merci ma belle, grâce à toi j'ai retrouvé mon teint. Merci beaucoup. Ou encore ce message qui dit, coucou, juste pour te dire merci, le problème de veine est résolu et ma peau est en train de devenir uniforme. Et moi je suis ravie d'entendre ça. Les boutons sur mon visage sont finis et je veux la crème 5 à 5. Je vous remercie énormément. Vous savez pas à quel point ce genre de message me touche. C'est vrai que voilà, c'est pas tout le monde qui peut expérimenter les résultats positifs, mais savoir aussi que ça marche pour certains, ça me plaît énormément. Et c'est aussi pour ça que cette émission est là, pour voir comment ça marche avec d'autres personnes qui utilisent en temps réel leurs produits. Cette émission, c'est une émission de partage où les First Ladies autour du monde, elles ne se connaissent pas, mais elles ont accepté de jouer le jeu, elles ont accepté de participer et de partager avec vous leur expérience de beauté. Alors nous souhaitons que vous les encouragiez, nous souhaitons également que vous soyez de la fête, pourquoi pas, en faisant des commentaires, en likant, en partageant et également en parlant autour de vous. Alors, après vous avoir souhaité la bienvenue, j'aimerais également demander à d'autres de s'abonner également. Et également dire merci à tous ceux qui sont là depuis. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle est toujours là. C'est grâce à vous que, voilà, les gens sont informés parce que vous êtes là, vous écoutez, vous communiquez et puis vous partagez également autour de vous, vous passez l'information. Et c'est comme ça que l'information suit. Et c'est comme ma boucle.
Et c'est comme ça que les gens sont informés de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire en matière de produits de beauté parce que voilà, il y a beaucoup de choses sur le marché. Alors nous avons comme ça, ma boucle. Il y a plein de produits sur le marché, on ne sait plus où donner la tête. Alors cette émission, elle va vous aider à voir un peu plus clair sur ce que certaines personnes utilisent, ces dames qui ont accepté de partager avec vous leurs secrets de beauté. Et nous allons comme ça découvrir notre deuxième candidate. Non, la troisième candidate, parce qu'on a déjà deux candidates. Nous avons Fa qui nous vient de la France et nous avons également Blandine qui nous vient du Bénin. Et maintenant, nous allons vous présenter Énergie qui vient de l'Angleterre. Alors, on va suivre le profil de Énergie et on revient tout de suite après. On est arrivé là. Avons la pièce dans le thé. Nous n'avons pas mis de mon colis. Ok. Ok, on va aller ensemble. Parce que j'en ai pas trop. Voici ma personne. C'est mon bébé. Je suis tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui. Restez sage là, j'arrive. Restez bien sage là. Maman arrive. Bonjour, je m'appelle Énergie, je vis à Londres. Pour moi, participer à cette émission, ce serait comme lancer un défi personnel. C'est un grand challenge. Je me lance personnellement ce défi parce que je suis une personne assez paresseuse quand il s'agit de se oindre. Quand je prends ma douche, paf, je suis partie. J'ai pas le temps de me oindre à la rigueur quand ma peau est très sèche, comme vous pouvez constater ici. Vous voyez, j'ai une peau assez sèche. Quand elle est vraiment sèche, je peux utiliser la glycérine comme ça au passage. Hein. Donc voilà, sans plus. Donc je suis vraiment, vraiment paresseuse. J'espère que je vais essayer de tenir jusqu'au bout de cette émission parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une personne assez paresseuse. Donc, à force de ne pas entretenir ma peau, elle se dessèche graduellement. Et comme on prend de l'âge, voilà, la peau s'abîme. Donc, je vais essayer de tenir jusqu'au bout pour voir ce que ça va donner. Parce que, voilà, elle est vraiment assez sèche, ma peau. Et comme je vais vous faire voir, vous voyez là, j'ai une peau assez sèche. Et j'espère vraiment que vous allez m'encourager. Voilà, comme vous l'avez suivi, pour Énergie, c'est un vrai challenge pour elle parce que pour certaines personnes, c'est la paresse leur véritable problème et elle en fait partie. Donc vraiment, elle pense qu'avec cette émission, elle pourra relever son propre défi à elle. Et c'est aussi ce que beaucoup de personnes font. Donc, on va l'encourager. Et pour l'encourager, vous devez voter. Vous devez voter. Et les liens de vote sont sur la barre de description. Je reviendrai dessus. Voilà, il y a des personnes comme ça, comme Énergie, pour qui le produit de beauté, c'est un vrai challenge. C'est la paresse, le véritable problème. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas utiliser de produit, c'est simplement parce qu'ils sont très paresseux. Moi aussi, j'en fais partie un peu. J'aimerais également demander aux personnes qui me contactent, parce que là, le but de cette émission, comme je dis toujours, c'est le partage. Donner des informations à autrui. Parce que ce que je reçois comme demande, c'est toujours des problèmes qu'on me pose et on cherche des solutions. Et ce qu'on oublie, c'est que moi, je ne suis pas magicienne. Je ne peux pas faire des visions. Je ne vois pas. Donc, ce que je fais, c'est imaginer parfois le problème. Je ne connais pas toujours tout. Alors, parfois, les gens me posent leurs problèmes, mais ils ne me donnent pas suffisamment d'informations pour pouvoir les aider. Qu'est-ce que j'appelle suffisamment d'informations? Par exemple, quand vous me dites, j'ai des taches, j'ai des boutons au corps, je ne sais pas à quoi ressemblent ces boutons. Je ne sais pas quelle ampleur vos vergetures ont pris sur votre corps. Je ne connais pas exactement à quel niveau se trouvent les taches, mais on me pose des questions, on me pose des problèmes. J'essaie de résoudre. Donc, si on ne me donne pas l'information, je ne peux pas savoir. Et j'ai pour principe toujours de garder la confidentialité de mes clients. Donc vous n'avez rien à craindre en me donnant vos photos, vous n'avez rien à craindre en me montrant exactement quel est votre problème, parce que je ne partagerai jamais l'information sauf si vous me demandez de le faire, sauf si j'ai votre accord. Alors le fait de m'envoyer vos informations, ce n'est pas pour divulguer, parce que aussi ce que j'ai souvent eu à avoir comme question, c'est
Est-ce que tu n'as pas une personne qui a déjà utilisé tes produits pour voir à quoi ça ressemble le résultat et tout? Ben voilà, l'émission est là. C'est pour ça justement. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas partager les informations des gens. Et donc, je suis un peu bloquée, quoi. Je suis un peu stockée à ce niveau-là. Parce que quand on me demande comment prouver, je ne peux pas prouver que ça marche. Je ne peux pas prouver qu'un produit marche vu que je ne peux pas partager les informations. Mais les clients, et Dieu merci, c'est un client, je vous remercie énormément, ces gens-là qui ont qui ont l'amabilité de m'envoyer leurs images avant, après, pendant le traitement et tout, pour me permettre également de voir l'évolution. Moi, je les remercie énormément. Ça me permet d'améliorer également mon travail. Ça me permet de mieux vous servir. Et donc, c'est ce que je demande, pas plus. Donc, cette émission, ça va aider aussi les gens à être plus ouverts, à savoir que le fait que vous disiez, moi j'utilise ça, le fait que vous donniez l'information à une autre personne, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes exposé ou que voilà, votre intimité est bafouée. Non, je comprends parfaitement que certaines personnes veulent garder leur intimité, mais parfois pour apprendre, il faut partager. Parce que mon principe, c'est de ne pas partager les informations des gens sans leur consentement. Et vous voyez bien que dans cette émission, les gens qui ont accepté de participer, eux-mêmes, ils fournissent les vidéos pour qu'on les poste. Donc, voilà, c'est pour ça que cette émission est là. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que ce produit donne comme résultat, vous avez cette émission. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion de voir sur les candidats l'évolution et si jamais il y a problème ou si jamais il y a changement, si jamais il y a... Enfin, vous allez tout découvrir parce que ici tout est en réel. Ce sont des clients réels, ce sont des personnes réelles. Il n'y a rien de fabriqué. Donc vous-même, vous verrez. Et eux, ils font leurs vidéos. Ce sont des vidéos amateurs. Donc il n'y a pas de montage. Moi, je ne fais... Tout ce que je fais, c'est coller les informations autour et rien de plus. Je ne retouche pas les images. Donc je les poste telles que je les reçois. Ok? Allez, on va continuer l'émission avec la suite du programme. Voilà, si vous êtes sur YouTube, pour voir la barre de description, les liens que j'ai mis sur la barre de description, vous allez à plus si vous utilisez l'ordinateur. Donc en cliquant sur plus, vous allez voir tous les liens qui sont listés. Et si vous êtes sur le téléphone, si vous êtes sur un téléphone, vous allez voir cette petite flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez dessus et vous allez voir également tous les liens qui sont listés. Donc ces liens, ils sont là. Le lien numéro 1, c'est pour le vote des candidats. Le lien numéro 2, c'est pour les commandes directes, c'est-à-dire vous commandez directement chez moi. Le lien numéro 3, c'est pour mon compte eBay, si vous souhaitez commander sur eBay. Je rappelle encore que c'est livraison gratuite pour les gens qui sont aux États-Unis et c'est plus facile pour eux également de commander sur eBay. Mais ils peuvent également utiliser le lien de commande à numéro 2 pour passer leur commande. Et le lien numéro 4, c'est le lien de mon contact WhatsApp. Je rappelle encore que, voilà, laissez le message simplement, je vais répondre. N'appelez pas s'il vous plaît. Le cinquième lien, c'est les formulaires pour participer à Brunch Beauty. Donc, si vous souhaitez être candidate à la prochaine saison de Brunch Beauty, voilà le lien qui vous concerne. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus. Et voilà, cliquez sur les lignes bleues, c'est ça le lien. Donc vous cliquez dessus et voilà, vous suivez juste les instructions et c'est tout. Voilà, donc votez déjà pour votre candidate préférée. Allez, merci. Voilà, vous savez déjà tout sur la barre de description, sur les liens utiles. Et il ne vous reste plus qu'à voter pour votre candidate. Vous avez découvert la semaine passée Fa qui vient de la France, également Blandine qui nous venait du Bénin. Et aujourd'hui, vous avez découvert Énergie qui vient de l'Angleterre. Elle compte sur vous. Vous allez découvrir d'autres candidates au cours de l'aventure. Mais avant de passer au prochain point, j'aimerais également rappeler surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous aimez, likez. Si vous voulez, commentez. Surtout, vous pouvez faire des vidéos pour soutenir votre candidate. Vous pouvez également faire des vidéos pour leur poser des questions ou bien même leur poser des questions en commentaire. Elles feront des vidéos par la suite pour vous répondre. C'est vrai que c'est au tout début.
début, donc vous n'avez encore rien vu. Mais déjà, vous pouvez préparer vos questions. Et vous allez découvrir ce qu'elles utilisent. Vous allez découvrir quels sont les résultats sur elles, surtout. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est quoi ces candidates. Chaque candidate aura 100$ à la fin de l'aventure. 100$ cash, bien sûr. Et également 50% de réduction au courant de toute l'aventure. Mais ce n'est pas tout. 15% de réduction pour deux personnes de leur choix. Et également, à la fin, il y aura un vote du public. C'est pour ça que vous votez. Vous votez pour qu'il y ait une candidate gagnante à la fin qui va gagner un parfum de marque pouvant atteindre une valeur de 130$ et aussi 50% de réduction toute l'année. Donnez-lui cette chance, s'il vous plaît. Et en décembre, nous espérons voir de très jolies fleurs Elise qui vont passer des fêtes merveilleuses avec un paquet de produits chaque candidat. Oui, chaque candidat aura également un paquet de produits. Alors, si on se retrouve en décembre avec 100$ en poche, un paquet de produits de beauté et ces produits achetés à pratiquement 0 francs, vil prix, et également quoi? Un parfum de marque et toute l'année une réduction, c'est pas fabuleux ça? Et également, cerise sur le gâteau, un joli teint. Wow. Alors, votez pour elles parce qu'elles ont besoin de votre soutien. Vous avez écouté leur histoire et vous écouterez encore d'autres histoires. Allez, à la suite pour le prochain élément que nous allons vous passer tout de suite. Et mon cas n'est pas facile. C'est une beauté africaine et naturelle, unique à son genre. C'est pour ça que je la kiffe. Sa couleur de peau venue tout droit du ciel, c'est ne chia pas. C'est pour ça que je la kiffe. Qui ne s'est jamais décapé, elle est toujours naturelle. Et c'est ça qui m'attire. C'est ma queen africaine, baby, my lady. Oui, un bon tacle, baby. Voilà, nous allons continuer le programme avec un message de Blandine. Blandine qui a un message pour les First Ladies. Elle vous explique un peu ses motivations, un peu en détail. Et elle vous dit pourquoi est-ce qu'elle veut partager, pourquoi elle veut partager ses opinions avec vous. Pourquoi est-ce qu'elle veut participer à Brunch Beauty. Elle a expliqué lors de son premier passage, mais elle vous donne encore d'autres explications. Alors on va écouter Blandine. Blandine qui nous vient du Bénin. Bonjour, je dis bonjour à toutes les dames, je dis bonjour à toutes celles ou ceux qui auront l'opportunité de voir cette vidéo. Je salue la dame Rikia White pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je lui dis une fois encore merci. Merci pour ce programme qu'elle a mis en cours. Parce que je sais que pendant ces quelques mois, ces quelques semaines qu'on aura à passer ensemble, il y aura beaucoup de conseils, beaucoup de leçons. Il y aura beaucoup à gagner dedans. Quand je dis il y aura beaucoup à gagner dedans, je ne parle pas nécessairement du prix. Mais je parle d'abord de ce que nous femmes, on a à gagner dedans. C'est très important aujourd'hui qu'on ait une peau sublime, que tu aies envie de devenir très clair ou que tu aies envie de garder ton teint noir que tu as ou bien n'importe quel type de peau que tu as. Il est nécessaire de l'arranger. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que je suis très, 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 très contente. Je suis très contente parce que j'ai trouvé quelqu'un qui me redonne encore l'espoir aujourd'hui. J'ai trouvé une dame qui veut me permettre quand même d'avoir encore l'espoir de gagner en ce qui concerne ma beauté, d'avoir encore d'avoir une peau que j'ai toujours rêvé à avoir, d'avoir une gamme qui va m'appartenir et que j'aurai à utiliser peut-être toute ma vie. Voilà, je me présente, on m'appelle Folie Blandine, je suis une des candidates du Bénin. Bon, je ne sais pas si je serai la seule candidate qui viendra du Bénin, mais aujourd'hui, comme je vous le dis, ma joie est remplie. Parce que mon colis est en cours. Je suis très très contente et j'attends vivement mon colis. J'attends que mon colis soit là et que je commence l'utilisation de mes produits. Et laissez-moi vous dire que ce serait une surprise.
Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans mon colis actuellement parce que si cela est une surprise, vous aurez le temps d'avoir d'autres vidéos dans lesquelles j'aurai à vous décrire ma gamme, ce qui me revient, ce que j'aurai à utiliser au cours de la durée de cette compétition. Voilà, après avoir écouté Blandine, je vous rappelle encore quel est mon véritable problème, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'informations venant de vous. Donc, sachez que nous sommes pratiquement dans le même combat. Quand vous me contactez, c'est que vous recherchez une solution à un problème et moi, je cherche une solution à votre problème. Donc, aidez-moi à vous aider, ce sera plus facile pour nous tous. Soyez rassurés, je ne partage pas les informations. Tous ceux qui me contactent savent très bien que je ne partage pas les informations, bien qu'on me demande, parce que quand quelqu'un me demande pourquoi tu ne veux pas donner des informations sur ce que les gens utilisent ou bien les résultats que les gens ont, je dis, bah, attendez, si c'était vous et que voilà, je postais vos images, vous me donnez vos images et puis j'envoie une autre personne pour dire voilà ce que les gens utilisent, voilà ce que cette dame utilise. Est-ce que ça vous plairait de voir votre image se balader comme ça sans votre consentement? Donc c'est un peu ça quoi. Donc, mais pourtant l'information est très importante à partager parce que quand vous partagez, vous apprenez également plus des autres parce que les autres également vont vous donner des retours sur ce qu'eux ils ont comme expérience et vous, vous partagez également votre expérience. C'est comme ça que tout le monde apprend et on avance. Parce que nous, dans la cosmétique africaine, je le dis encore pour la peau noire, c'est notre problème majeur. Et ce qui fait que les mauvais produits bondent le marché parce qu'on ne partage pas l'information. Les gens utilisent des produits, ce n'est pas bon, mais parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ne les pointe pas du doigt, ça continue. Ce qui fait que le fait que l'information ne passe pas, les gens ne partagent pas cette information, les mauvais produits continuent à grandir sur le marché, les mauvais produits continuent à faire des dégâts et les gens continuent à se retrouver avec des problèmes irréversibles. Alors nous, dans cette émission, nous essayons de résoudre à notre niveau ce genre de problème pour que les gens sachent comment choisir leurs produits, pour que les gens également apprennent à utiliser les produits et pour que les gens également apprennent à partager surtout l'information, d'accord? Parce que je suis très paresseuse, encouragez-moi s'il vous plaît. Et aussi voilà, je tenais à faire un grand coucou à Madame White et je la remercie d'avoir pensé à mettre sur pied cette émission. Et pour finir, je tiens aussi à faire également un gros bisou à toutes les autres candidats qui ont bien voulu participer à cette émission parce que c'est pas facile, hein? Ça sera pas facile, je sais. Et voilà mes copines, allons-y, ne lâchons pas, allons-y jusqu'au bout. Et voilà, j'espère encore revenir plus tard dans cette émission pour partager mon expérience. Bye bye. Donc, je vous invite à voter pour votre candidate et vous avez déjà suivi Fa qui nous vient de la France. Je rappelle encore, Fa a un problème, elle vous a expliqué son problème. C'est un problème très récurrent mais très rare également chez beaucoup de personnes et je suis très contente qu'elle ait pu commencer à trouver des solutions à son problème. Également, Blandine qui a également son challenge à elle parce qu'elle veut être une belle femme, elle veut être une femme rayonnante et voilà, trouver un produit qui marche très bien pour elle, tout comme Énergie qui de son côté a plutôt un challenge à relever, elle a un défi personnel à relever. Donc vous voyez que chaque personne rejoint l'émission avec un objectif particulier et son objectif principal. Chacun a ses problèmes, chacun cherche sa solution, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes, tout le monde n'a pas forcément les mêmes résultats et tout le monde n'aura pas forcément les mêmes solutions. C'est pour ça que quand vous me contactez avec votre problème à vous et on essaie de trouver solution à votre problème à vous. Il n'y a pas une solution universelle pour tout le monde. Donc chaque personne a ses problèmes, chaque personne a sa solution et chaque solution a son approche. Donc ça ne sera jamais la même chose pour toutes les personnes. Et comme je dis souvent, les gens peuvent utiliser les mêmes produits mais les utiliser de manière différente. Voilà pourquoi il faut demander également conseil, voilà pourquoi il faut vraiment suivre l'utilisation parce que ce n'est jamais la même chose vu que vous n'avez pas les mêmes peaux, vous n'avez pas les mêmes organismes. Ok? Donc on va continuer en clôturant un peu avec un dernier message que nous a laissé Blandine, la suite de son message. Et on va écouter, ça sera également une annonce pour l'épisode prochain. Allez, j'espère que vous serez nombreux la prochaine fois.
Allez, on écoute Dandy, on se dit à la prochaine dans Prince Beauty. Ouais, Blandine qui nous vient du Bénin, votez surtout, votez pour elle, votez pour Blandine, votez pour Fa, votez pour Énergie, Fa de la France, Énergie de Londres et Blandine du Bénin. Vous allez découvrir d'autres candidats dans les prochains épisodes. Bye. Voilà, et en passage, les dames, je vous dis... Votez pour moi. Votez pour moi. Parce que vous n'allez pas regretter. Ça, je vous le dis. Vous n'allez pas regretter. Votez beaucoup pour moi. Parce que avec moi, vous aurez le temps de tout découvrir. Avec moi, il n'y aura pas de réserve. Avec moi, il y aura des petits, petits détails. Avec la dame que j'aurai, mettez-vous à l'aise. Calez-vous. Vous aurez à découvrir plein de surprises. Laissez-moi vous dire une fois encore, je ne vous cacherai rien. Tenez-vous tranquille. Voilà, je vous en prie, votez massivement pour moi. On aura le temps de mieux se connaître. Vous aurez le temps de mieux me connaître. Mais je suis contente. Je remercie la dame Rekia. Je la remercie pour tout. Je suis très contente et laissez-moi vous dire, ayez confiance en elle. Elle mérite votre confiance parce que je ne le regrette pas. Actuellement, mon colis est en cours. Je sais que d'ici peu, je vais réceptionner mon colis et vous aurez le temps de voir. Les magies vont se produire. Les magies vont se produire. Laissez-moi vous dire qu'il y aura beaucoup de magie. Je vous remercie. Portez-vous bien. Et bye bye. À tout à l'heure. On aura le temps de se revoir. À tout à l'heure. Bye. Ciao. Bisous à vous. Je vous embrasse toutes. Merci.